Bienvenue sur Cool Paradigmes. Voilà une manière de fabriquer une broche de charge à utiliser comme barre d'haltérophilie verticale. Quel est l'intérêt? Il est possible d'ajouter plus de poids qu'avec une haltère classique à une main grâce à un centre de gravité autostabilisant et à une prise beaucoup plus solide sur la poignée, car elle est collée sur son axe métallique et ne peut donc pas rouler hors de la main. Il y a encore d'autres avantages et inconvénients, mais cela sera abordé dans une autre vidéo. Cette broche de charge se compose de 4 pièces de base pour une longueur d'environ 40 cm. Nous avons utilisé une barre centrale de 12 mm de diamètre insérée dans une rondelle de 5 mm d'épaisseur et de 70 mm de largeur. La barre centrale est placée à l'intérieur d'un tube de 27 mm de diamètre et surmontée par la plus grande boucle possible capable de passer à travers des disques d'haltérophilie standard. La soudure des différents éléments est bien sûr la partie la plus difficile. N'oubliez jamais les habits de protection. Et voilà les différentes soudures. Soudure du tube sur la rondelle. Soudure du bas de la broche. Soudure du tube sur la tige centrale. Soudure de la boucle supérieure. Les soudures ont ensuite été égalisées avec le tour pour la rondelle du bas et avec une lime pour les autres soudures. Une fois que la broche de charge métallique est terminée, elle devient plus stable et respectueuse des parquets en ajoutant une petite protection en bois rembourré constituée de deux parties, l'octogone inférieur qui entoure la rondelle et l'octogone supérieur qui termine l'encapsulation de la partie inférieure de la broche de charge. Il est important de noter que si cet appareil est utilisé correctement, le bois ne subit qu'une pression verticale, ce qui fait que la surface en bois qui coiffe la rondelle de la broche possède suffisamment de cm² pour absorber la pression. Merci pour votre inscription et votre attention.